Tenez non, bon, qu'a son petit bail dans son oeil. Ou te connais aujourd'hui là, et selon la primature, c'est seulement 56 agents BSAP l'État reconnaît. Vous êtes comme ça, non? Ah bon, comment nous sommes contents de la caille, nous? Et Haïti Réflexion, c'est notre channel là. Mais nous y vivons, nous là. 56 agents BSAP, ouais, dans tout le pays là, il y a tout qui puisse passer 20, 30 000, n'importe 50 000 agents BSAP qui sont là dans tout le pays là. Presque à chaque fois, on a des promotions qui sortent, etc. L'État dit qu'il reconnaît 56 agents BSAP seulement. Point boule. Nous fini. Nous y là. Où il y a 56 agents BSAP, est-ce que Mounsayo a dit qu'il y a goumé? L'État dit qu'il reconnaît 56, ça veut dire tout l'autre est illégal. À part Alibaba, nous avons bêtisé, nous pensons qu'Ariel a joué. Nous avons toujours dit que Ariel a joué. Ma toujours dit nous-mêmes n'a pas lancé n'a bêtisé pourtant Ariel lui-même il campé sous goumé. Et pas jouer n'a jouer pas plaisir n'a prend 56 grenages en BSAP Ariel dit reconnaître là dans mouvement pas la voilà. Madame monsieur dans l'émission ça on va le faire tendez quelques monde qui on dit quelques réactions, des monde qui réagit par rapport avec ordonnance qui sorti à côté yo indexé Martine Moïse. Ou bien Andy Pito, côté yo inculpé Martine Moïse. Et puis, nous allons attendre et le plan des États-Unis d'Amérique pour Haïti. Projet yo gen la, réseau qui fait Haïti dans le niveau lié là. Nous allons entrer là, ça avec un plaisir, nous allons essayer, nous allons faire de bouche. Nous allons fouiller zone dans Kalalou, ou comme ça déjà, ou comme chaque fois nous avons une occasion pour nous parler. N'a toujours parlé et n'a fait là avec joie. Mesdames, messieurs, nous dit BSAP qui jodi en là, nous capable dit prend cœur population haïtienne là. Dans le temps c'était la police. Et à tel temps c'est ouais, depuis la police déplacée vers l'un côté, population toujours campé ensemble avec lui. Dans le mouvement bois calé t'a fait là, ça fait nous tuer plus bandits, c'est parce que population était campé beaucoup la police. Ou t'as regardé une série d'images, population, manchette à la main, bâton en main. Yo devant, back up la police derrière. Songez tes bon époque dans l'Artibonite. La police dit qu'elle décide tirer bandit. Population dit la police ou mettre poser, c'est nous qui allons faire bataille ça. Le ça, population dit la police ou mettre derrière nous même nous devant. Et n'a que décide tirer bandit dans l'Artibonite. OK? Et bien, je dis là, mesdames, messieurs, nous trouvons une situation côté que et la police perdue confiance à qu'elle te gagne dans la population ou bien la population te gagne dans l'IA. Mariage qui était toujours fait là, coalition qui était toujours gagnée, la police ensemble avec et peuple là, je dis là, coalition ça pas là encore. Je dis là, mesdames, messieurs, en tant que ça, il pas là encore parce que la police, il trahit peuple là. OK? Et n'a demandé. Ça qu'a fait là, est-ce que c'est pas exactement ça que tu souhaitais? OK? Est-ce que c'est pas exactement ça que tu voulais pour nous? Est-ce que c'est pas plan ça que tu gagné? Est-ce que c'est pas projet ça que tu là pour nous? Pour que finalement nous n'entrer déchiré l'autre. Pour que pas un petit calentant entre nous. Pendant n'a déchiré l'autre là, pour pas qu'on qu'il entente entre nous du tout. Est-ce que plan c'est pas ça que tu mesdames messieurs? Mais je dis là, et Occident, il crée une façon, il divise nous, non seulement il divise nous, et puis il met un zam dans nous chaque, il met un bâton dans nous chaque, et puis il a boumé. Et je venais te qu'on a dit ça, je venais te qu'on dit nous, on ne pas quitter, on met un wash dans nous, on wash dans nous, on bâton dans nous, on bâton dans nous, on a tiré sous l'autre. C'est un temps pour nous chercher, joindre dans tout ça, c'est ça, je venais te prôner. Songez, mais vous vendez un discours. Discours n'est pas venu, n'est pas dit que Haïti n'a pas aucun espoir pour lui. Haïti c'est pays qui est pauvre. Bon mes amis, nous comprenons nos logiques. Pendant Haïti est pauvre là, pendant nous c'est pays qui est pauvre là, et puis nous tout intérêt, on sait de gros pays placés dans nous, ce n'est pas à comprendre. Depuis qu'il est, mon riche, t'es qu'on associe au conseil ensemble avec mon pauvre. Moi, j'essaie d'expliquer ça, même dit. États-Unis, ils marchent de tout côté, ou bien Occident, ou bien le monde entier. Ils marchent de tout côté, ils disent Haïti, c'est pays plus pauvre.
Mais pendant nous ces pays plus pauvres là, selon ça m'a regardé moi-même, selon ça m'a constaté, moi les États-Unis tellement trouvé intérêt dans Haïti. Yo voyez Bill Clinton, chaque sac à patient dans pays là, yo voyez expert, yo voyez une série de monde. Kounya ou pensez c'est vraiment parce que yo gagne intérêt dans nous vrai? Ou pensez c'est parce que yo place son intérêt dans nous vraiment qui fait, il a fait toute action ça yo? C'est tout simplement parce que nous avons richesse. Nous avons bagay que nous ka offri yo. Nous avons bagay que nous ka exploiter parce que nous sommes pays qui exploitable. Yo ouais, nous gen bagay nan vente nous. Yo ouais, nous gen bagay nous ka offri. Donc faut attendre on nèg non. Kemi Seba. Aïe aïe aïe. Ti nèg ça tellement gen causé en dedans. Kemi Seba te vin en Haïti déjà, c'est un africain. OK? Puisque nous pas connu histoire nous, Kemi Seba pral rappeler nous mais qui est ce nié? Et pral rappeler nous malheur nous gen la jodi là, situation difficile n'a connait jodi là et par l'autre bagay qui cause. C'est parce que nous gen bagay nan vente nous. C'est parce que nous gen bagay pour nous offrir. C'est parce que jodi là, Occident gade li wè. Li wè tout ça nous gagne, li wè toute richesse nous gagne. C'est comme s'il senti richesse la pas semblé nous. Tendez, propre richesse nous, propre ressource nous, bagay nous travail pour li, nous goumen pour li, oui, yo estime pas semblé nous. Les affaires ou même qui mettent dans situation penser, chaque fois yo di ou, yo va faire 10, yo va faire date pour, chaque fois yo di ou, oh, yo va créer un fonds de développement, yo va aller de sortir dans soirée là, ou même ou mettre dans tête où c'est vrai, depuis qu'il l'heure. Depuis qu'il l'heure blanc t'es soucieux de ou comme ça. C'est plus de siècles de coopération qui ça jamais fait pour vous. Même faut entendre Kemi Seba. En Amérique, on vous dit qu'Haïti est l'un des pays les plus pauvres. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est un pays pauvre? Si c'était un pays pauvre, vous pensez que Bill Clinton aurait tout fait pour envahir ce pays, le coloniser de manière générale? On fait tout pour que les Haïtiens quittent Haïti. Mais bizarrement, toutes les ONG occidentales viennent coloniser ce pays dans le même temps. Pourquoi? Il faut qu'on m'explique. C'est comme si quelqu'un vient me dire, s'il vous plaît, c'est comme si quelqu'un vient me dire, il n'y a rien dans ta maison va brûler, il faut que tu partes loin de ta maison. Et la même personne qui vous dit, il faut que vous partiez de cette maison, lorsque vous partez, il prend toutes ses valises et il vient s'installer chez vous. C'est peut-être que la maison n'était pas si mauvaise que ça. Haïti est un enjeu géostratégique majeur. Installé en Amérique, mais peuplé du peuple majoritairement d'Afrique. C'est une nation qui est à la fois une source d'inspiration pour l'Amérique latine, Simon Bolivar le savait, est une source d'inspiration pour le panafricanisme de manière générale. Tous les grands aïeux panafricains ont toujours loué Haïti comme étant une source d'inspiration et une source de régénération. De régénérescence. Ce pays n'est pas maintenu dans le chaos par hasard. Toute l'humanité entière sait que le jour où ceux qui ont été les premiers, parce que tout le monde aujourd'hui c'est la mode d'être anticapitaliste, tout le monde est anticapitaliste, ou la plupart. La plupart. Qu'est-ce qu'il a dit? Des bolos. C'est le cas de le dire. Des bolos. on sent que tu as étudié mes discours, car bolos est mon insulte préférée. D'accord. Donc boulos, c'est un bourgeois en Haïti, mais bolos, dans ma langue, c'est un voyou corrompu. Et donc... Après vidéo Kemi Seba, m'gal enchaîner. M'gal fort dans l'autre ami qui t'a participé dans émission et ramasser. Côté émission ça. Émission ramasser chaque samedi que t'es pour la fête sous deux journées là. Côté émission ça. Côté invité ça yo,
des invités triés sur le volet. Chaque samedi, viens parler Jovenel Moïse mal. Côté émission ça. On va le faire entendre aux amis. Monsieur dit qu'il était candidat au Sénat pour le département de la Grand'Anse. Non, Dame Marie. Soit pour député. Ok, pour député. Dame Marie. Et monsieur Pral explique nous une expérience que lui-même lui fait avec étrangers. Monsieur Pral explique nous ça qui est là, situation qui est là, chaque photo de nègre qui est là, il y a aidé nous sortir dans sa nuit là. Monsieur Pral explique nous, monsieur Pral montre nous tout ça qui a dit là, c'est de la foutaise. En dehors des amis, ça. Et moi-même particulièrement, moi suis candidat au Sénat dans le département de Grand'Anse. Moi j'ai un collègue Dame Marie. Qui relè mon samedi, li ti m donc là, gon réunion yon invite m la plaine. Mais on nèg tan kou par rapport à jan mwa wè bagay, yo m ta rien mon al nan réunion. Moun ki invite m nan pa konnen, m balè le dewo, li di pa gen problème vin avò. M di ki eske ap la réunion. Li di m ke gen des candidats au Sénat et à la députation des 10 départements k ap la. Groupe ça, son groupe qui gagne en tête li, Hillary Clinton, Bill Clinton, John Kerry. Yo passé par un consortium à Madrid pour yo pa fè yo paraît trop. Il y a besoin de rencontrer des candidats parce que il y a un projet de 50 milliards de dollars sur Haïti. Il faut le passer dans le Parlement. Il y a financé candidats avant l'élection pour y arriver. Et il y a dit, l'offre arrive, c'est là encore il y a financé parce que votre projet, ça, c'est dans le Parlement pour le passer. Moi, je dis, monsieur, pas un problème. Mal en réunion. Les gens sont dans garçon, pas un côté. Le monde qui t'a dirigé la réunion, il doit attendre là, c'est un ingénieur. Monsieur, dépose le laptop, monsieur, fait projection. Aïe papa, il y a dit, c'est un petit gros bénéfice que me tire le fait que me des candidats. Monsieur montre sur l'écran, et il y a l'autre ingénieur à Madrid qui était en lien avec lui, en liaison. Et il montre sur Tito Mazo. Pour toute chaîne de maintenant, il a pris Saint-Marc, et il y a montré toute étude qui fait sur Gypsum. Oui. Ah bon. Deuxièmement, il y a projeté côté gagnant source de pétrole. Et deux autres projets qui étaient plus importants pour eux, c'était derrière Domantis en l'Alembert de Port-au-Prince, côté de la bataille, avec en bas Karadeux. Donc, côté où tout le monde, groupe 400 Marouzo, a fait des ordres, etc. Tout le monde, zone, ce sont des sentinelles. Il faut nous rappeler que le docteur Mathurin, avant sa mort, il dit même si Haïti a vendu de tous côtés, zone en bas, ça, son côté pour Haïti, par exemple, quitter votre île. Les affaires étaient sales, comme ça, oui. Troisième bagaille, ils ont montré projection l'or dans la zone plateau central, aller dans le nord, qui est zone qui gagne. Mais il te montre, ça va de là, il te montre pour faire projection, il fait cartographie fait. Il te montre qui côté qui gagne bauxite, qui gagne aluminium, donc il y a autre chose. Ça c'est un. Deuxième bagaille. Il y a un monde dans le pays qui était très proche de Préval, qui était premier ministre, que tout le monde pensait que tu étais pas le candidat à la présidence. Brusquement, il n'est pas candidat à la présidence de Préval, c'était le professeur Jacques-Édouard. Merci. Là, maintenant, information que moi-même j'ai gagné. Sous gouvernement ça. T'es un groupe d'Afrique du Sud qui t'a fait rentrer à Haïti, vient faire étude. Les rapports, ça a fini préparé, ils ont fini passer dans tout le département dans le pays. Ils ont préparé le rapport, ils ont présenté le rapport au Palais National, le président Préval, premier bail, il dit monsieur, monsieur, nous ne pouvons pas faire 5 ans, nous ne pouvons pas rentrer dans le dossier ça. Parce que vous avez porté la cartographie des ressources minières. Et ça a attiré l'attention là-dedans, vous avez travaillé sur le côté de l'uranium avec l'iridium. Et il y a un monde. Qui te travaille dans l'équipe ça. Chaque fois qu'il rentre en Haïti pour le Canada, il passe par les États-Unis, il y a toujours Kembel dans l'aéroport pour interroger. Parce que qu'on connaît tout détail. Maintenant, pendant le pays, il y a un personnage, je ne sais pas si c'est pas docteur Vic Samar qui est sorti au CAE. Il est aveugle, il a 80. Non, le Nord-Ouest. Le Nord-Ouest, qui a 83. Oui, il est entré en 86. Dans le pays, il était candidat à la présidence. Et puis, il a eu l'information. Il a dit, mais tout dit là, pour nous connaître, il a eu le compte goutte. Voilà. Et puis, il dit que, donnez-moi le pays et je vous donnerai les informations. Donnez-moi le pays. Il dit, non, donnez-moi la présidence et je vous donnerai les informations. Et puis, il m'a attendu sur un radio sœur. Et puis, il dit que, pendant le deuxième, il a été dit, et puis, il a dit, journaliste, hein? Pourquoi on est dans tout ça n'a pas passé là? Nous avons 4 millions mon emploi dans moins d'un an. Et pas bah, la charité, non emploi à côté que vie mon an qui dépend de lui. Mais journaliste n'a demandé, mais qui côté n'a pas fait bah, ça? Monsieur reprend les mêmes données, la baille toutes données ça yo, que uranium, iridium, etc. Il dit que les doctorat en économie de développement, il y a un petit qui est ingénieur pétrolier qui travaille en Thaïlande. Et puis, c'est là, monsieur dit que, monsieur dit journaliste, ou pas qu'on est 1 tonne iridium là, et 40 milliards de dollars. En grande tonne.
Donc, faut nous comprendre que nous sommes pays qui prend tournant un complot international. Et pour donc là, comme ça, trop loin, qu'on y a là, nous allons comprendre pourquoi ça, docteur Mathieu est mort. On descend une vidéo sous ça. Non, c'est pour me continuer à parler parce que je ne suis pas tout à fait d'accord moi-même avec Thèse Sayo. Bito t'as dit tout net. Ah, ok. Maintenant, ça que t'as tiré attention, c'est le journaliste qui a demandé, docteur, là. Pour qui ça, c'est où gagne information ça, yo, quand on joigne yo. C'est l'LT dit, tout ça, Mabdoula, document écrit, bureau des mines gagne yo. Donc, et monde qui passe dans le haut niveau de l'État, yo gagne information yo. Et vous placez moi. Et ça qui pral attirer, attention, c'est parce que yo dit qu'on go quitte sur en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est un pays qui gagne en pile uranium et lithium. Parce que la deuxième fois, on dit ça, que sur Afrique du Sud là, où t'es dit que depuis. Sous qui prise sous préval que tu gagnes un groupe sud-africain qui t'est rentré et il se trouve que la motte t'est fait un groupe spécialiste sud-africain t'est entré vient montrer qui côté qui gagnait type de minerais ça. Alors ça pas continuer quoi. Bah qu'on essaie parce que y a pas de balle bon information, s'il n'est pas de compétent, est-ce que ça t'a pris trop de temps, mais t'es gagné on le groupe de spécialistes sud-africains qui t'est entré sous la mode. D'accord. Merci. Mm-hmm. Non, excusez-moi. C'est parce que docteur Chile était effleuré question. Hein? Mm-hmm. Donc moi-même il y a une question à me poser. À part de mauvaise foi, manque de nationalisme, sentiment d'adida patrie, dit s'il n'avait pas dit que en pile dirigeant nous y a gagné. C'est la grande question, quel est l'intérêt de la communauté internationale pour yo encourager deux dirigeants entretenir les Haïtiens dans sa lieu là aujourd'hui? Parce que politique là pas gain fait cadeau tout. Si yo choisi par exemple, si yo te choisi, yo dit que c'est Michel Joseph Martelly qui a fait plus bon président face à Milan Maninga, yo imposé là. Yo te choisi c'est Jovenel Moïse pour yo même qui a fait plus bon président pour retirer Haïti dans sa lieu là, yo imposé là. Et aujourd'hui yo même encore yo choisi ensemble avec collègue yo dit que bon Jovenel pas doit continuer yo fait et là yo fini faire yo dit que meilleur citoyen jodi Haïti gagne comme plus bon patriote qui ca aider Haïti c'est Ariel Henry. Maintenant yo gon intérêt, maintenant faut nous mettre campé en face de intérêt ça yo. Quel est l'intérêt de l'international et quel est l'intérêt de gros monde ça yo qui accaparé qui pour moi même tant que Koloté dit son poche, c'est l'assassinat de Jovenel, c'est à la fois un coup d'état à l'interne. Donc, qui mettait dans tête pays un président fictif avec un premier ministre président tout. Donc là, on a analysé deux questions ça yo, et puis on a gardé tout le monde qui était prend la rue yo. Pendant 2-3 ans, ce Jovenel qui a parlé de changement de système qui là, il pas bon, il ceci, il cela. Qui intérêt ou bien qui patron qui exige yo qu'on y a après la mort de Jovenel, il faut que yo chita avec Ariel pour yo faire 11 septembre et puis pour yo faire piquer devant. Bon, expliquez nous bagay. C'est pas seul nous yo fait ça. Mettez notre tête nous que nous pauvres là. Et pas seulement nous fait ça, non. Vous fait Afrique ça. Vous dit Afrique. Vous dit Afrique c'est le continent qui est plus pauvre, pourtant, pas vrai. Vous dit Afrique c'est le continent qui est pauvre, pourtant, menti, amis. L'Afrique fait partie de un continent qui est plus riche. Et c'est à cause de la richesse Afrique là même. C'est à cause de ça Afrique gagne à offrir même. Qui fait jodi dans la passé misère la passé a occident yo connaît ça Afrique représenté, yo connaît qui qualité richesse l'Afrique représenté, yo estimé richesse ça pas sembler nous tout comme Haïti, yo estimé richesse nous gagne yo ça nous gagne yo fortune nous gagne yo li pas sembler nous pas ka jouir de li, nous pas ka profiter de li. C'est une aberration pour un petit peuple tant que nous, pour un petit peuple tant que on ben africain, on ben va nu pied, on ben nek doué John Long tête green. Poussez au même jeudi là qui pral jouir d'une série de privilèges. Yo estimé li anormal et c'est ça que fait. Yo scanné ou bagaille dans tête tout. Yo di ou c'est pays qui pi pauvre. Yo di ou fait partie de continent qui pi pauvre là. Pendant nous pauvres là, y a goumé pour venir là, pour venir installer là. Ah, sous tête pauvreté là. Alors pour nous pauvres dans l'état nous pauvres là, pour nous pauvres dans le niveau nous pauvres là, et puis pour nous gourmer, pour essayer de payer à gourmer pour nous, pour venir occuper espace pauvreté, ya. Ça va dire nous rien, ça va susciter rien la caille nous. Nous ne comprenons pas, ça va dire nous rien.
Pendant pays ça au camp yo dit Haïti c'est pays qui plus pauvre, continent Afrique là, c'est continent qui plus pauvre dans monde là. Pendant ce temps même yo même, y a en train déchirer juste pour capable venir là, venir installer dans espace pauvreté là. Quand ça ne va pas comprendre là. Et pas grand si moun nou encore. Hein? Et pas grand si moun nou, quand ça ne va pas comprendre là. Nous pas comprendre ces plans occident. Nous pas comprendre c'est exactement ça yo faut quoi. D'ailleurs pas con histoire. Ouè tout expert ou gen, tout moun ou gen ki ka al fè recherche, ki ka vin ouvrije ou, ki ka vin explique ou men sa ka passe, ouè ki sa yo fè, yo cherche yon façon même yo exploite yo pren moun za yo, yo ofre moun za yo monze merveille, yo ofre moun za yo tellement d'avantage pou moun za yo va jen senti nécessité pou ke yo servi peyi yo, au contraire, se yo même pou moun za yo servi. Gose yo de ti haïtien la, des experts yo tapye, ou bien yo se des experts même, men blan pa kite yo vin la. Blanc pas qu'à quitter au vin de servir nous. Parce que si au vin là, il y a ouvri genoux, il y a dit trop bagaille, il y a ouais trop bagaille, il y a contre trop bagaille et nous pral contre trop vérité. Ou doit contre histoire. Et ça que moi-même dans ça qu'a fait là, là moi c'est blanc qui dit la beaucoup mais non c'est de bagaille. Blanc pas jamais fait rien pour rien. Mettez ça dans tête aux amis. Blanc pas jamais fait rien pour rien m'dou. Blanc pas jamais offrir un bagaille. Ça l'offre là pour mettre dans tête comme si ça l'offre là, c'est dans avantage ou lié au grand jamais. Fais-moi confiance ça m'dou là. Le blanc crepel dou, ça l'offre là c'est avantage ou pas jamais le quel. Tant pour bataille qu'a mené pour question justice pour Jovenel Moïse. Moi me très sceptique et ouais à chaque émission m'dou joie parler de ça. M'dou joie montre scepticisme moi. Nous jouons moi-même, m'a quoi dans Toto Noël ça? M'a quoi dans bagage comme si blanc montre que au ça qu'a fait là là, c'est ça fait pas lié etc. Donc Jovenel Moïse, yo soucieux pour Jovenel Moïse. Est-ce que pas bon bagage en bas ou pas dit nous? Est-ce que pas bon bagage y a caché? Est-ce que pas bon intérêt? Est-ce que pas bon entente qui fait que moi-même avant nous pas connaît? Et ça que nous songe me dit et ministre justice nous s'il retourne petit cal respect pour nous toujours, gè explication pour le ban nous. OK? Si le bon Timo son respect pour nous, il doit nous des explications. Ou bien toute l'autre autorité yo, tant qu'on Ariel par exemple, moun sa ou doué vinn di nation, si les États-Unis a fait ça yo, maintenant qui intérêt mais pour qui ça la fait? Et le sac qu'on y a là, nous pral au courant, nous pral connait pour qui ça telle ou telle action a faite. Mais rete nous on sait de bagaille et puis soit on dit là 10 ans, 15 ans, 30 ans après, ou pral tant doté mon dette parce que États-Unis te rend nous tel service. Ou pas tant de dettes que pas jamais payer parce que États-Unis te rend nous tel service, il te aide capturer une série de bandits. Mais ça de génération en génération n'a pas redevable envers États-Unis et ça que faut nous connaît. OK? Faut nous connaît. Si son contrat qui signé faut nous connaît, si son accord faut nous connaît, si son traité quel que soit ça faut nous connaît. Qui les États-Unis te remène nous ça? Qui les été soucieux pour nous de nous ça? Quel est sensible pour Haïti comme ça? Est-ce que vous comprenez? Ouais, ordonnance a sorti, il y a des difficultés. Ordonnance a sorti, en pile goumé, en pile parle, en pile. Et le clan de Martine Moïse, oh, même Blanc fait un reportage sur le dossier ça. Blanc fait un reportage, oui. Il y a des femmes qui font des reportages blancs. Et après ça, tout, pas seulement Blanc, non. Moi, je fais entendre l'autre reportage. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans la rue hein, et qui plaignent, qui parlent en pile. Moi, je fais entendre. Elle a crié justice, mais la justice semble la rattraper, en tout cas si on se fie, et je parle ici de l'épouse du président haïtien Jovenel Moïse qui a été assassiné en 2021. Je dis ça parce qu'on se posait plein de questions. Qui a commis ça? Pourquoi il n'y a pas eu de protection par ces gardes du corps? Bien là, on comprend ce matin que Martine Moïse fait l'objet parmi les 50 inculpés dans cette affaire-là. Et s'écrit pendant les funérailles de son mari où elle demande que justice soit rendue, que justice soit faite.
ça prend une toute autre tournure, une toute autre signification hein, quand on apprend ça, finalement. Là, on verra si elle sera reconnue coupable, mais en tout cas, elle est inculpée dans cette affaire avec une cinquantaine d'autres individus. Donc, l'ancienne première dame en Haïti, Martine Moïse, et d'autres personnes qui étaient très proches du président Jovenel Moïse. Le premier ministre à l'époque, Claude Joseph, et également l'ancien chef de police, Léon Charles, font partie donc des personnes qui sont inculpées. Pour Martine Moïse, vous les voyez ici, les chefs d'accusation, on parle de complicité et d'association de malfaiteurs. Même chose pour l'ancien premier ministre. Mais pour le chef de police, c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus important. On parle de meurtre, de tentative de meurtre et de complot contre la sécurité intérieure. C'est dans un jugement, une ordonnance qui a été rendue, je dirais pas publique, mais en fait, ce média haïtien a mis la main sur l'ordonnance du juge de l'instruction sur l'assassinat de Jovenel Moïse, dans laquelle on retrouve beaucoup d'informations. Vous voyez cette ordonnance, Marc-André, 122 pages. Et puis, soit dit en passant, le juge en question... C'est le cinquième à avoir mené une enquête sur l'assassinat. Les quatre autres ont démissionné pour des raisons personnelles et certains parce qu'ils avaient peur d'être tués pendant l'enquête. Donc, quand on regarde dans ce jugement, il y a le témoignage de l'ancien secrétaire général du Palais national qui parle de Martine Moïse, qui dit qu'il subissait de fortes pressions de sa part concernant le premier ministre de l'époque, Claude Joseph. Elle aurait appelé donc le secrétaire général pour qu'il lui ouvre la porte du bureau du président. Donc, beaucoup de pression en ce sens. Et également, regardez ici. Elle l'aurait appelé quelques jours après l'assassinat pour dire « Jovenel n'a rien fait pour nous, il faut ouvrir le bureau, Claude Joseph organisera des élections dans 3 mois pour que je puisse devenir présidente, maintenant nous aurons le pouvoir ». Rapidement vous dire également là, que 2 jours avant les faits, donc avant que son mari soit assassiné, elle avait passé, toujours selon le même témoignage, 5 heures au Palais national pendant la nuit pour supprimer un tas de choses. Un tas de choses. Donc, reste à voir quoi exactement et pourquoi. En tout cas, il y a Claude Joseph, l'ancien premier ministre, qui dit « Ils n'ont pas réussi à nous tuer ». Parlant du premier ministre actuel, d'ailleurs, Ariel Henry, qui a été nommé par Jovenel Moïse. « Ils n'ont pas réussi à nous tuer, Martine Moïse et moi. Et maintenant, ils utilisent le système judiciaire haïtien pour faire avancer leur plan. » Pas grand ordonnance. C'est bon. Quand y a bon nous même nous dans grand coup là quand y a là ordonnance qui ça. Elle met toute grand ordonnance qui ça pas gagner ordonnance là. Bon mais hier c'est se mettre un pile rapport dehors. Pas rapport hier c'est beaucoup qu'a marché ordonnance juge qui va le marché des bagailles président Jovenel. Y a pas mettre des têtes mon ensemble avec bagaille là président Jovenel là là toujours. Yo va qui est cité tuer président Jovenel, c'est blanc. Ensemble avec reste avec ici avec ce bail yo pas connait et blanc tu es président Jovenel américain tu es parce que l'air de baquer la caillou dit DIE et DIE dit. Alors si c'est américain jodien qui t'a trouvé président Jovenel Moïse, comment fait Martine Moïse à joindre une sécurité dans américain encore? Pourquoi oublier? Parce que si pas un groupe dans le monde, il va devoir avoir la sécurité. Qui bon? Martin Tinek, petite femme noire, qui est-ce qui a la sécurité? Pourquoi oublier? Pourquoi bien finir ramasser là? Ça veut dire c'est payer la paix, monsieur Sayo? Qui ça va le faire? Qui ça? Pour belle figure, il y a la Martin sécurité, d'après qui ça? Non, je pense au moins que tu as une frustration, puisque c'est un Américain qui tue Marie, mais je ne sais pas quoi c'est le monde qui a été sécurisé encore. Qui bon? Tu es pas guillé, tu n'es pas même qui a parlé, ça va le dire. Tu finis physiquement, tu fouilles, tu es net. Après ça, ou même, ou pas, yo gérer ça ensemble avec elle. Qui ça, Martine, va le faire? Ça, c'est pour le faire. Pour Martine, tu as deux cas là, pour que si Martine va faire, on ne connaît aucun rapport fiable. Martine, pas quoi, cacher, on ne peut pas parler en parole pour nous comprendre, pour nous entendre ça, Martine, Abdia. Ou pas, Martine, son monde qui n'a pas compris. Mais c'est pour Martine, tu as deux cas là, pour que si Martine va faire parler. Nous sommes dans le complot. Après ça, on va aller installer au Kaimounio. C'est Kaimounio qui règle tout le bagage. Il paye Haïti. Pendant que c'est Haïti levé tout corbeau. Tout corbeau c'est Haïti levé. Quand y a là où voler, on vole, on vole au bois de la caille blanche, est vrai? On baille rapport, oui? On baille, oui? On baille. Je dois rentrer en bas cabane.
dodo gen un poèt kochik pran bal ou a bay rapport ça ou a bay li parce que tant à tout petit Claude Joseph ou parce que président il te roi avec petit Claude Joseph ou comme ça tué non et elle descend dans le bay petit Claude Joseph là mais OK ça c'est plusieurs secteurs qui ont même positionné par rapport avec ça qui a passé et où est que la presse même la presse internationale a parlé de dossier donc le clan de Martin Moïse ils ont réfuté ils ont pas d'accord ils ont tiré pied ils ont fait qu'on est ordonnance ça son ordonnance bon cathédrale mais bon c'est deux causes qui dit et des fois vivre déjà des décortique ordonnance là pour déjà bon c'est deux causes qui dit si ça a eu révélé vrai Martin Moïse pas bien de l'eau pour la ville dis-moi s'il vous plaît. Conseil de cause qui dit là, a fait question, Martin Moïse est débarqué dans le palais le 5 juillet, donc deux jours avant l'assassinat président, côté Martin Moïse fait qu'on est, je ne pas foyer pour moun. Pour mettre le bureau, je ne disponible pour Claude Joseph. Si ça a eu révélé vrai, si l'information ça a eu vérifié, je ne sais pas qui la vie Martin Moïse. Et son j'aime dire où? Non, il y a une émission qui me fait, je me dis, chaque fois, ouais, avocat Martin, le clan de Martin a poussé quoi comme ça, parce que c'est la justice haïtienne qui prononce. Je me finis avec ça, je me dis. Vous avez parlé de John Joel Joseph. Il a arrêté John Joel Joseph, tant qu'on petit bébé, tant qu'on crébété, tant qu'on imbécile. On est quitté tellement opulent, quitté prêt lui-même, avec mes palmes, pour exécuter Jovenel Moïse. Il a prononcé ça, ce monsieur. Monsieur m'a demandé famille pardon. Monsieur m'a demandé famille Jovenel Moïse pardon. Où est la prière par ça? Monsieur m'a demandé pardon. Quand on dit bébé, monsieur Koupi, pour la demander excuse, pour la demander pardon. Par contre, vous comprenez. Où est-ce qui s'en vient? Où est-ce qui s'en prend? Mais si c'était la justice en Haïti qui était arrêté John Joel Joseph, tout avocat t'a pris, t'a dit pas vrai. Il a dit c'est persécution politique. Vous savez, c'est parce que John Joel Joseph était capable de croire contre Jovenel Moïse. Mais le fait que c'est la justice américaine, ils sont tous d'accord. Ils n'ont pas eu une qui pipe mot. Et c'est ça que fait moi-même, moi, prôner pour que dans le cas Martin Moïse, là, pour c'est la justice américaine, même j'ai fait pour un paquet de l'autre monde, pour c'est la justice américaine qui dit un mot dans le dossier. Nous-mêmes, nous continuons sur vous. D'ailleurs, nous avons toujours ça. Ou alors nous est allié, c'est suivre vous pour nous connaître ce qui a passé. C'est pas ça? Pour nous suivre, pour nous connaître exactement ce qui a passé, authenticité bagarre là qui s'allie exactement pour nous voter le barreau. Mesdames, messieurs, en grabier là, parce que vous connaissez, nous ne pas avoir tout barrer un seul coup, faut que de temps à autre, nous bons goûtons un petit lossier. Ok? Nous bons goûtons un petit lossier de temps à autre pour que vous capable toujours assoiffé, pour qu'il toujours envie. Tendez pour qu'à toujours envie et suivre information et actualité normalement. On était connecté ensemble avec Haïti Réflexion qui c'est Chanel ou Rémi en pile là et nous toujours prend plaisir nous à chaque fois nous avons une possibilité pour nous partager ensemble avec vous un élément de formation que nous jugeons utile parce que nous devons ou ça ou travail pour ça tout parce que si nous arrivons côté nier aujourd'hui là c'est grâce à vous même et c'est pour ça nous toujours demander ou pas doué camper là travail là doué continuer travail là doué poursuivre. Faut nous avancer, mesdames, messieurs, parce que aujourd'hui là, nous avons nécessité pour que nous serrer les coudes, nous avons nécessité pour que nous mettions tête nous ensemble. C'est à nous-mêmes pour nous retirer pays à côté de là. Et faut nous montrer union, nous faut nous montrer unité ça. C'est unité ça même qui te retire Haïti dans l'esclavage. Et c'est même lui-même pour nous montrer dans tout aspect, dans toute sphère dans la vie là, pour nous arriver à retirer Haïti. Dans le bas fond de Litrouville depuis quelques temps, sous l'ordre occident, sous l'ordre d'une série de faux amis. Parce que Haïti maintenant, il y a des amis, mais nous tous nous connaissons, sont des faux amis. On a des gens qui sont disant que c'est des pays amis d'Haïti, mais nous tous nous avons jamais vu. Il n'y a jamais de pays amis. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des alliés. Et seul nous-mêmes qui avons répété Charabia ça, les pays amis d'Haïti. Vous êtes connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Pas oublier, continuez, partagez. Vidéo nous yo, faites arriver plus loin, aidez-nous pour vidéo capable arriver plus loin, pour plus de monde capable de rester connecté pour qu'on connaisse exactement ce qui a passé. Bye bye tout le monde, n'a pas croisé prochainement pour une autre vidéo.